Salut tout le monde, c'est Angelus et on se retrouve encore une fois sur Hearthstone pour faire une petite arène parce que oui, j'ai pas mal de gold, enfin pas mal, j'en ai un petit peu on va dire. Donc on va faire une petite arène histoire d'avoir des paquets, de se faire tranquillement des paquets un petit peu gratuits, enfin en fonction du nombre de victoires qu'on va faire. Donc j'espère que ça va être une arène sympa. Voilà, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc allez c'est parti, je vais lancer l'arène directement. Je l'ai pas acheté, je sais pas du tout quel héros il va y avoir, donc c'est parti. Hop, je vais checker d'abord si j'ai bien enregistré. Oui, je l'ai enregistré. Allez, c'est parti. Gul'dan, Rexxar ou Thrall. Oula, c'est compliqué ça. C'est pas des héros super cool en arène. Je partirais plus sur un Gul'dan du coup. Ouais. Honnêtement là, c'est pas un choix super facile. Comme présentation, c'est pas cool. Hein. C'est pas cool. Putain, attends. Je sais pas du tout quoi prendre sans déconner. Je partirais plus sur Gul'dan ou Rexxar, entre les deux. Rexxar, si je prends Rexxar, faudrait que je parte sur un deck un petit peu plus aggro. Alors, Gul'dan, ouais. Gul'dan, c'est pareil. Allez, on va partir sur un Gul'dan. Allez, c'est parti. C'est parti pour Gul'dan. Ok, d'accord. Pas super cool. On va prendre le Ilbot corrompu, je pense. C'est le meilleur entre les trois. Ok. Oh là 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 là, mais c'est quoi ces cartes? Ouais, je partirai plus sur celui-là. Ah, ça c'est un bon pic aussi. Hein. Ça, je pense que c'est mort. Celui-là aussi, il y a un très bon pic. Je vais partir, je pense, un petit peu plus là-dessus pour le moment. Ouh. Ça, c'est des très bonnes cartes aussi. J'ai déjà 2 tours 5, quoique. Ouais, je vais quand même prendre celui-là, il est très très fort. Hein. Un autre tour 5, c'est beaucoup. Peut-être le Soulfire. Voilà, le Soulfire. Il me faut du low cost, là. Ah, j'ai que des tours 5, hein. Honnêtement, je peux pas reprendre un tour 5. Hein. Je vais prendre le mecha, téléporteur. Oh là là, mais c'est quoi ce pic, sans déconner. Ouais, je vais prendre ça, je suis obligé, enfin... C'est une blague? Mais c'est une blague! Pour la vidéo, ils veulent pas du tout que j'ai une bonne arène, hein, ça c'est clair. Hein. Oh la vache, non, je peux. Enfin, c'est nul, mais c'est nul! Je sais même pas quoi prendre tellement c'est nul, quoi. Enfin, je vais prendre ça, on sait jamais, ça peut peut-être être utile. Ok, je prends. Bon, le Shadow Flame, hein, ici. Ah, le Psychotron, là, c'est cool. Mais j'ai encore un tour 5. Oh la vache, le Belcher, il est trop fort. Oh, je peux pas le laisser, mais j'ai trop de tour 5. J'ai beaucoup trop de tour 5. Mais sans déconner. Enfin, c'est impressionnant, quand même. Le Mad Scientist, il sert à rien. Bon, éventuellement, celui-là. Ouais, j'ai beaucoup de tour 5, donc... Ok, on va partir sur Champion du Hurlevent. Ouais, je sais pas, j'ai beaucoup de haut drop, hein, mais... Mais bon. Ok, on va partir. Je vais partir sur celui-là. Trogzor, il est cool. C'est pas le Trogzor, ça, c'est la légendaire. Bref. Bah, prendre un petit... Non, j'aurais pas du tout prendre ça, c'est pas grave. Alors, mécanique, un mecha, j'ai combien? J'ai quoi? J'ai un mecha, je crois. Non, deux. J'ai deux mechas. Ouais, je vais prendre le... La Void Terror ici c'est mieux. Petit AOE c'est cool. Ah là ça commence à être déjà un petit peu plus sympa. Ouh ça c'est cool. Ça c'est pas mal en plus avec la synergie avec cette carte. Ça c'est bien. Oula. La Harpie est cool. Éventuellement celle-là je vais regarder mes drops un petit peu. J'ai quoi? J'ai 3 drop 3. Ouais, j'ai on va dire 3 réels drop 2 mais parce que enfin ça et ça c'est vraiment super cool. Donc au final ouais. Je sais pas. Je pense que ouais, j'ai beaucoup de tour 5 donc je vais prendre un petit drop. OK, bah le drop 4 ici, c'est clair. Euh
Là, c'est là, je me demande. Est-ce que je prends est-ce que je prends celui-là ou pas? Panthère, elle est cool. Hein. La Panthère, elle est cool. Elle peut être super cool, sachant que j'ai que ouais, j'ai que 4 drop 3. Pour le moment, c'est pas ouf. Ouais, je vais prendre la Panthère. Ouh, le Kraken ici, il est vraiment trop bien. Oh, le Kraken est trop bien. Ah, oh, de la pioche, ça c'est cool. Oh, un petit taunt, il est pas trop mal. Prendre le petit drop. Hein. Et pour le dernier, ouh, ouh, peut-être le jouteur, enfin le maître jouteur, il est cool. Sachant que j'ai beaucoup de drop 5. Ouais, mais ouais. Mes drop 2. Ok, j'ai que. Putain, la vache, ouais, j'ai que 5. 5 drop 2. Je vais prendre le maître shooter. Bon, allez, c'est parti. On va essayer de faire quelque chose avec cette arène pourrie. Enfin, honnêtement, elle est vraiment nulle. J'avais des cartes, mais pas très très intéressantes. Ça peut me sauver si j'arrive à tenir sur le late game. Allez, c'est parti. On va essayer de faire quelque chose. Petit bug d'affichage, j'ai l'impression. Ça me fait tout le temps ça quand je fais en arène. Allez, oh là 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 là. Contre Undoing. Oh, ça va être dur. C'est vraiment dur. Undoing, il est super fort en arène. Ok, bon, là, on va virer le champion de Hurlevent. Je pense que... la colère du... Je sais même pas en français, enfin... J'aurais tendance à virer le drop 4 ici, à essayer de choper des drop 2, sachant que j'en ai que 5. J'ai que 2 drop 1 en créature. Choper un drop 3, ouais. Je vais virer tout pour choper un drop 3. Le drop 2, je vais essayer de le garder, mais bon. Ok, le drop 3, ça c'est cool. On lui dira bonjour parce qu'on est des gens gentils. Voilà. Oula, mon pauvre. Leon Hurt. 33. On va tranquillement passer. Ouais, essayer de se concentrer, faire un maximum de victoires dans cette arène, parce que le but un peu c'est d'avoir des bonnes récompenses, d'avoir des paquets, des poussières, de l'or et tout. Enfin, de rentabiliser au maximum l'arène. Oh. Oh, il fait rien du tout. Au tour 3, il fait rien. Oh la vache. C'est assez rude. Il a de la chance que moi j'ai pas beaucoup de petits drops, parce que sinon je l'aurais clairement... Ok, d'accord. Ouais, je vais aller tuer sa créature. Je peux pas la laisser parce qu'il va... Il va prendre trop de value. Et on va très tranquillement. Voilà, comme ça, on a le board, on a les créatures. Là, ce que je disais, hein, la petite synergie entre les deux cartes, là, c'est vraiment cool. Le maître jouteur aussi, il va être vraiment bien. S'il a le... S'il gagne l'ajout, ça va être énorme. Waouh! Un silence là-dessus, c'est rude. Le pauvre tour 5, il fait juste une chouette. La vache! Oh, j'aurais même tendance simplement à aller trade comme ça pour prendre un petit card advantage. Ouais. C'est vraiment bien. On est très très bien parti là. Il avait... Enfin, le pauvre prêtre, il avait pas grand chose en début de partie. Hein. Ouh. Ça va, je pourrais le gérer tranquillement. Ah, du coup, je pense que je vais devoir trade ici ma 4-4. Simplement poser le maître jouteur et trade la 4-4. Enfin, la 5-4 du coup, qui va passer en 5-4. Ouais. Allez, vas-y. Oh, parfait, merci. Voilà, les drop 5 hein, ici qui font la différence. Franchement, j'en ai vu tellement. Ah, du coup, on se retrouve avec un board
très très solide. Une 5-6 Taunt Divine Shield, une 4-5 et une 3-3, c'est vraiment pas mal. Hein. Niveau carte, on a de quoi gérer avec le Shadow Flame. Ouais, ça voilà, justement, aucun problème avec. Avec mince, le trait de l'ombre. Oui, c'est ça, c'est le trait de l'ombre. Hop, tranquillement, un petit trait de l'ombre. Et derrière, on va lui empêcher, l'empêcher de faire des sorts. Et voilà, il est à 8. Je pense que là, c'est la fin pour la première partie. Très, très, très bien pour moi. Voilà, il peut rien faire. Hein. Clairement, on est très, très bien dans cette partie. Voilà, il abandonne. On lui dit bien joué. Mais franchement, il avait un deck, il a rien fait du début de partie. C'est quand même impressionnant. Enfin, il a absolument rien fait. Oh, c'est cool, première partie. C'est sympa, je pense que... Je sais pas si je vais arrêter là. Je vais te relancer une game juste après, direct. On va voir, en attendant, je vais vous laisser là pour le moment. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine game. Allez, ciao tout le monde!